Savez-vous pourquoi les animaux ne savent pas sourire? Question intéressante. Et qu'ils n'ont pas de sel. Je vais vous le dire, moi, pourquoi les animaux ne savent pas sourire. Mais il faudra me croire, hein, parce que à quoi ça sert que je vous raconte une belle histoire si vous allez la mettre en doute? Il y a des millions d'années de cela, la mère est venue nous voir pour nous rendre visite. Elle avait bien frisoté toutes ces petites vagues comme un dimanche, mais nous n'étions pas là, personne. Et normal, on n'était pas encore inventé. Elle était déçue, la mère. Alors, pour n'être pas venue pour rien avant de repartir, avant de s'évaporer dans le néant, elle nous a laissé un cadeau qu'elle a glissé sous le paillasson pour qu'on le trouve quand on arriverait, comme une clé pour ouvrir la vie. Ce cadeau, c'était le sel. Beaucoup de sel, énormément de sel, des kilomètres et des kilomètres de sel. Et alors, à 200 mètres de profondeur, la vie a commencé à fourmiller, comme sous un pot de fleurs, vous savez, vous le soulevez et ça grouille. Mais là, les petites bêtes étaient plutôt d'un genre préhistorique. Impressionnante, mais pas méchante pour dessous. Et alors courageusement, pendant des années, avec leur joli nez en forme de scie, avec leurs grosses pattes, elles ont butiné, moissonné, engrangé, remonté tout ça jusqu'à la surface. Je peux vous dire qu'entre-temps, là-haut, la vie avait essayé de démarrer, mais ça ne marchait pas tout à fait comme on aurait souhaité. Ça manquait justement d'un peu de sel. Heureusement, un oiseau qui ne vivait pas encore a commencé à déteindre sur un gros tas de sel. Un jour de grand vent, une vague de sel l'a réveillé. Il vivait, il était libre. Comme quoi, quand on vous dit qu'on jette du sel sur la queue des oiseaux pour les attraper, et vous voyez qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. Hein? L'oiseau est passé au-dessus du premier homme. Un grain de sel est tombé de ses petites serres toutes neuves sur la bouche de l'homme. Il a remué les lèvres. Il a ouvert les yeux. Il vivait. Lui aussi. Alors, pour donner la vie à son espèce, il a cherché du sel un peu partout. Le sel, ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Ça ne risque pas d'ailleurs, trop insouciant le cheval comme tous ses collègues. Pendant qu'on gambadait, qu'on faisait des cabrioles, des sarabandes, l'homme, lui, il travaillait. Qui avait raison, ça. Il a fallu dire à la mère de revenir, mais elle était un peu vexée, la mère. Quand je viens, vous n'êtes pas là, et maintenant... Alors, il a pris des gants, l'homme. Il a fait des manières. Entrez donc. Faites comme chez vous, je vous en prie, passez la première, installez-vous. Thank you.
Et finalement, la mère nous en a pas voulu. Et elle a pris l'habitude de venir nous voir régulièrement. Et chaque fois, à la fin, elle semblait s'ennuyer un peu avec nous. Jour après jour, elle saturait. Elle bâillait, rougissait un peu, et puis elle repartait sur la pointe des pieds, invisible, transparente, comme pour ne pas nous vexer. Mais comme elle était un peu évaporée, la mère, et elle oubliait toujours quelque chose avant de repartir. Alors, cette chose précieuse, tous les ans, l'homme la ramassait, lui faisait une toilette, et la mettait précieusement de côté au cas où la mère viendrait la rechercher. Qui sait ? En fait, je crois qu'elle faisait semblant d'oublier quelque chose, la mère, sans doute parce qu'elle nous aimait bien. Et puis, un jour, entre deux marais salants, là où le niveau du sol était trop haut pour que la saumure y mette son grain de sel, il a poussé une drôle de plante. Carrément, dans le sable, une jolie plante pleine de petites billes remplies d'un liquide bien frais, bien juteux, quand il vous coule dans la bouche, comme si la nature avait voulu nous dire « Excusez-moi, j'ai oublié le principal, voilà votre sang. » L'homme y a cru. Il l'a entourée de tous ses soins, cette plante un peu magique, histoire de ne pas faire couler n'importe quoi dans ses veines.
Mais finalement, ce n'était pas du tout ce qu'on croyait. Vous savez ce que la nature avait oublié? Le sourire. Alors, les hommes sont allés chercher des animaux pour leur faire goûter comme ils avaient fait pour le sel. Rien, personne, on ne les a pas retrouvés. Le jour de cette grande découverte, ils étaient partis folâtrés encore, je ne sais où. Et pourtant, pour les retrouver, ils ont parcouru le vaste monde en long, en large, en travers. Heureusement, pour ne pas se perdre, il avait semé du sel sur ses pas à l'homme. Un petit tas, dans chaque pays, il semait des grains de sel comme on sème la bonne parole. Et l'homme s'est retrouvé tout seul avec son sourire au fond de sa bouteille. Voilà pourquoi, comme je vous le disais, seuls les êtres humains savent sourire. Mais vous me laissez parler, vous me laissez parler, mais vous le saviez déjà. La compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est figure parmi les tout premiers saliniers du monde. Soucieux d'innovation et de qualité, les Salins du Midi ont développé les métiers du sel depuis 1856. Le sel, ou chlorure de sodium, se caractérise par la variété de ses usages et de ses techniques de production. Les Salins du Midi sont les seuls en Europe à produire toutes les catégories de sel. Indispensable à l'homme, aux animaux et aux plantes, le sel est une substance vitale. Absorbé par l'organisme, il est éliminé en permanence et doit donc être renouvelé. Les animaux et les plantes autorégulent leur consommation de sel. Le sel leur apporte, ainsi qu'à l'homme,